Dans une de ses dernières lettres, quelques semaines avant son suicide, Vincent Van Gogh écrivait cette phrase. Un jour ou un autre, je crois que je trouverai moyen de faire une exposition à moi, dans un café. Je ne détesterai pas d'exposer avec Chéret, qui doit avoir des idées là-dessus, certainement. Lettre du 10 juin 1890. Cette exposition, qui n'a pu avoir lieu du vivant de Vincent, est réalisée 125 ans plus tard avec ce film, le musée Chéret accueillant virtuellement les œuvres de Van Gogh. Jules Chéret a vécu ses 30 dernières années à Nice, où il a réalisé de très belles fresques murales pour le palais de la préfecture. Son ami et mécène, le baron Vita, a fait à la ville une importante donation de plus de 300 œuvres. Pour la présenter au public, un bel écrin est trouvé, une superbe villa d'inspiration renaissance italienne sur le modèle des palais génois, appelée Kotschoupé Thompson, du nom de ses deux propriétaires. En 1928, elle prendra le nom de Musée des Beaux-Arts Jules Chéret. Considéré comme l'inventeur de l'affiche artistique, fils d'un typographe, Chéret s'est formé à Londres, d'où il a importé la technique de l'affiche chromolithographique couleur qui permet la création et la reproduction de grands formats à de multiples exemplaires d'un tracé exécuté à l'encre ou au crayon sur une pierre calcaire. Avec l'aide de son mécène Eugène Rimmel, il crée une imprimerie à Paris où il va réaliser des centaines d'affiches publicitaires très colorées. Bien que n'étant pas de la même génération, Chéret a 17 ans de plus que Vincent, ils ont dû se côtoyer entre 1886 et 1888, quand Vincent vivait à Paris. Ils fréquentaient les mêmes cercles artistiques, les mêmes cafés, comme celui d'Aristide Bruyant, le Lapin Agile, très couru des peintres, ou le cabaret Le Tambourin, dont Chéret a dessiné la première affiche. Sa propriétaire, Augustina Segatori, un ancien modèle, a été pendant quelques mois la maîtresse de Vincent. Elle a posé pour deux beaux portraits et plusieurs nus, les seuls nus qu'on ait de lui. Le Tambourin est devenu un temps sa galerie personnelle. Il y a montré des dizaines de ses peintures et organiser une grande exposition d'estampes japonaises où tout l'atelier Cormon est venu. Le peintre Fernand Cormon dirigeait un atelier célèbre que Vincent a fréquenté quelques mois. Il y a rencontré Toulouse-Lautrec, Anquetin, Bernard, etc., qui sont devenus ses amis. Vincent et Chéret se sont certainement croisés dans la galerie de Théo, le frère de Vincent, boulevard Montmartre, qui présentait des œuvres de Chéret. On a la trace de la vente de 3 affiches. Il devait aussi se retrouver dans une des soirées organisées par Toulouse-Lautrec et Mule de Chéret, qui recevait souvent chez lui ses amis artistes ou collectionneurs. Début 1888, Vincent Van Gogh quittera Paris pour le Sud. Il reviendra 2 ans plus tard, en mai 90, après une horrible année passée à l'hospice de Mosol à Saint-Rémy, où il a subi de nombreuses crises. De retour dans la région parisienne, il s'installe à Auvers-sur-Oise, auprès du docteur Gachet, un médecin ami des peintres. Il se sent beaucoup mieux et de nouveau plein d'espoir, d'autant que son frère Théo, sa femme et le bébé sont venus passer le dimanche 8 juin 1890 avec lui,
invité à déjeuner chez le docteur Gachet. Pour Vincent, c'est une journée de rêve. Il a joué avec son petit-neveu âgé de 6 mois et pu tranquillement discuter avec son frère lors d'une promenade au bord de l'Oise après le repas. Il a l'intention de louer une maison et récupérer ses toiles qui sont encore à Paris pour les retoucher à leur avantage et probablement les exposer rapidement avec Chéré. Pourquoi particulièrement Chéré ? Outre ses créations d'affiches, l'année précédente, Jules Chéré a connu une grande actualité. Première exposition personnelle au théâtre d'application à Paris, puis une suivante chez Durand-Ruel. Cette même année 1889, il obtient une médaille d'or à l'exposition universelle. Et début 1890, est nommé chevalier de la Légion d'honneur en tant que créateur d'une industrie d'art. Vincent a dû apprendre tout cela par Théo. L'énergie de Chéré et le même amour qu'il partage pour la couleur ont dû faire naître ce désir d'une exposition dialogue entre leurs deux sensibilités. Dans ces deux tableaux de jeunes femmes assises, on distingue bien leurs différences de style, mais aussi ce qui les rapproche. La couleur chatoyante, une certaine élégance, une présence poétique. Malgré leurs thématiques différentes, la ville, le cirque, les fêtes avec Chéré et ses élégantes chérettes, mutines, colombines, parisiennes, la campagne pour Vincent avec ses champs, ses vergers, ses fleurs, tous deux partagent les mêmes préoccupations stylistiques. Recherche de symphonie polychrome, contraste éblouissant, composition enlevée, mouvement. Dans cette exposition, Vincent aurait sans doute présenté ses tableaux préférés, ceux dont il parle le plus souvent ou ceux que son frère a déjà exposés. Ce sont surtout les toiles des deux dernières années, celles appelées du Sud, d'Arles, les vergers, la moisson, les barques des Saintes-Maries, les tournesols, la vue du Rhône. De Saint-Rémy, la nuit étoilée, les oliviers, les cyprès, les champs de blé et son dernier et plus bel autoportrait sur fond bleu. Peut-être aussi quelques toiles réalisées à Paris, plus influencées par la veine impressionniste, voire pointilliste, comme ce beau et coloré intérieur de restaurant, le portrait de Tanguy. À l'époque, Chéré, plus connu pour ses affiches, aurait montré ses compositions au graphisme maîtrisé comme ses dessins de clownness, ses études de Pierrette et ce Pierrot d'après le mime Wag, ses pastels bleus évoquant les quatre saisons. Et son Déjeuner sur l'herbe. Une grande peinture à l'huile, peuplée de femmes libres et joyeuses, plongées dans une atmosphère de fantaisie, d'idéalité, évoquant parfaitement ce qu'on a appelé la belle époque. Il aurait exposé aussi ses pastels de jouets d'enfants, poupées, tambours, clairons, cheval de bois et petits bateaux. Et ce très excentrique domino jaune, bleu, vert, encadré de fleurs et de masques enchevêtrés. En mettant l'accent sur les univers plastiques d'une période où la peinture libérée de la représentation naturaliste s'autorise la subjectivité et la profusion de couleurs vives, cette exposition que souhaitait Vincent enfin réaliser manifeste que l'art peut se jouer du temps.
Cette idée lui aurait sûrement plu.